membre de Ensemble pour la République. Aujourd'hui, vous avez manifesté, c'était pourquoi? Alors, nous avons manifesté pour une cause ou bien problème que nous savons tous. Nous avons eu les fameuses élections le 20 décembre passé, comme avec moi. Vous savez bien que non, ces élections ont été les élections les plus chaotiques dans l'histoire du monde. Raison pour laquelle nous, étant que la jeunesse, nous, étant que peuple congolais, nous avons décidé de nous prendre en charge pour demander à M. Kadima d'annuler ces élections qui sont bien sûr en faveur de M. Félix Tshisekedi. Et vous manifestez après que les franges de candidat président avait déclaré juste à la veille de ces élections, mais jusque-là, Denis Kadima et toute son équipe semblent faire semblant. Pensez-vous que vraiment vous aurez gain de cause? Moi, je pense que non, c'est le problème maintenant de la conscience de tous les Congolais. Tous les Congolais, s'ils prennent conscience de tout ce qui nous arrivera dans les 5 ans qui viennent, si une fois M. Félix Tshisekedi est proclamé vainqueur, bien sûr, d'une manière frauduleuse, je pense que nous tous, nous serons des souffrants. Ça ne sera pas une question d'un groupe de gens, ça sera une question de tous les Congolais en général. Aujourd'hui, vous avez manifesté avant que la CENI ne puisse proclamer. Ne pensez-vous pas que vous êtes parti trop vite en besogne? Moi, je pense que non, nous tous, nous sommes en train de voir les résultats partiels que M. Kadima est en train de proclamer, est en train de publier. Cela montre déjà que non, il n'y aura rien le 31 décembre. L'évêqueur est déjà connu, c'est M. Félix Tshisekedi. Mais en réalité, M. Félix Tshisekedi n'a pas gagné les élections. Ce sont les élections triquées. Et à l'œil nu, vous tous, vous avez vu certains cadres proches de M. Félix Tshisekedi avec des machines à voter à la maison. Donc, chacun a voté de sa façon. Alors, qu'est-ce que vous entendez? Moi, je pense que non, tous les Congolais doivent prendre conscience. C'est le moment où rien. Il y a certains candidats présidents qui devaient manifester aujourd'hui à Kinshasa. Mais à la dernière minute, le maire de la ville de Kinshasa les a refusé cette manifestation. Ne pensez-vous pas qu'il y aurait quelque chose de caché ou soit c'est ça le mot d'ordre qu'il a reçu de la part de l'hiérarchie des gens qui gèrent le pays? Non, vous savez bien, il n'a jamais l'état de droit. L'état de droit, c'est aussi le respect des libertés. Imaginez-vous, lorsqu'un groupe de personnes veut manifester pacifiquement, mais vous les interdisez, comment vous dites que non, voilà, vous n'avez pas le droit de manifester. Qu'est-ce que vous entendez? Mais moi, je pense que je donne beaucoup de courage aux leaders de l'opposition qui voulaient tout à coup manifester à Kinshasa, malgré l'interdiction informelle des gouverneurs de la ville de Kinshasa et les ministres de l'Intérieur. Alors, nous leur donnons beaucoup de courage. Je pense qu'il n'est pas encore tard. Nous allons mélanger tous et nous allons faire bloc ensemble pour mener des grandes actions envergure pour d'abord demander l'annulation des élections et l'arrestation immédiate de M. Kadima. Et peut-être pour terminer, si vous ne trouvez pas gain de cause, nous sommes à 3 jours de la proclamation de ces résultats. Qu'est-ce que vous ferez? Bon, moi je pense que pour nous, nous n'avons rien à faire. C'est que nous demandons à tous les Congolais de se mettre debout comme un seul homme. Nous tous, même un enfant de 5 ans, a vécu ces élections chaotiques. Imaginez-vous, chers amis, si aujourd'hui vraiment on croisait les bras, quel sera le sort de tous ces millions de Congolais? Nous ne sommes plus en train de combattre pour notre bien. C'est une cause de toute la population, de toute la société congolaise. Nous demandons à tous les Congolais, à toute la jeunesse congolaise, de se lever comme un seul homme pour demander l'annulation de ces élections et l'arrestation de M. Kadima. Parce que tout ce que Kadima est en train de faire, et M. Félix, bien sûr, parce que c'est lui son chef, ils sont en train de plonger le pays dans le chaos. C'est le moment de prendre le destin de notre pays. Merci. Aujourd'hui, vous avez manifesté. Qu'est-ce que vous revendiquez dans le vrai sens du terme? Bon, en fait, nous avons assisté à des élections du 20 décembre 2023, dont moi, je qualifie des élections les plus chaotiques. Alors, nous, ce qu'on veut, nous, en tant que peuple congolais, nous demandons ce qu'on appelle l'annulation de ces élections. Parce qu'on a assisté le règne de notre président Félix Antoine Tshisekedi. Il a dirigé pendant 5 ans. Mais malheureusement, je peux considérer son bilan 0. Alors, j'ai sollicité à la CENI qu'on puisse annuler ces élections. C'est ce que moi je demande. Vous êtes en train de demander l'annulation de ces élections pendant qu'aujourd'hui, quelques candidats présents opposants devaient manifester à Kinshasa, mais ils ont été bloqués à la dernière minute. Pensez-vous que vous,
ici en Goma, vous aurez gain de cause, pourtant qu'au niveau de Kinshasa, les candidats présidents ont été ont vu leur manifestation être écartée. Bon, et ne sont pas patriotiques, au moins ils ont écouté le message de Peter Kazadi, mais nous ici à Goma, on n'a pas écouté, on s'en fout de son message. On a fait notre part parce que nous vivons ce qu'on appelle la médiocratie. Alors, non, pour nous, on a fait notre part, on a revendiqué nos droits en tant que peuple congolais sur base de l'article 64 de la Constitution. Vous avez manifesté à 3 jours de la proclamation des résultats. Pensez-vous que vraiment ce n'est pas aller trop vite en besogne? Non, non. Tu sais, on a assisté à des proclamations au niveau de la diaspora. Pourtant, ça a commencé au niveau de la diaspora. En attendant la proclamation provisoire de la CENI, nous on commence parce que les résultats sont bel et bien clairs. Alors, en attendant les 31, nous on a commencé aujourd'hui pour montrer à Tshisekedi qu'on n'a pas peur de lui. Et si on proclamait Tshisekedi encore une fois, qu'est-ce que vous ferez, vous, peuple de Goma, peuple du Nord Kivu? Bon, nous, on va se fonder sur base de l'article 64 de la Constitution. Heureusement, nous avons des soubassements. La Constitution est bel et bien claire. Dans ce cas, Tshisekedi... Tshisekedi va savoir que nous n'avons pas peur de lui. Il y a certains candidats soupçonnés d'avoir été avec le machine à voter chez eux à la maison. Si vous étiez membre de la CENI, que ferez-vous pour ces candidats à députés? Bon, premièrement, il faut punir ces candidats. Je vous épargne de citer les noms, mais nous connaissons, on a vécu ça ici à Goma. Maintenant dont je vous parle, au niveau des KG, il y a des manifestations. C'est pas d'un candidat dont ses panneaux publicitaires sont partout. Il avait des machines à voter dans sa chambre. Et puis, par appel, la population lui a attrapé. Et la population a revendiqué. Et qu'est-ce que vous avez comme dernier message à la population congolaise? Moi, je demande au gouvernement, je demande à la CENI qu'on puisse annuler ces élections. Et à la population? Bon, je m'adresse à la population d'être comme moi, de se prendre en charge. C'est le moment de se prendre en charge sur base des événements dont nous venons d'assister. Merci. Merci. Qui n'ont pas réussi leur mandat et qui ont voulu tricher. Non, on ne peut pas accepter. Toute la jeunesse congolaise doit se prendre en charge. Contester bien évidemment ces élections. Voilà, ces élections sont les élections les plus chaotiques qui puissent exister dans notre pays. Nous venons d'assister à 4 cycles électoraux. C'est la première fois où la population congolaise a vécu 5 jours des élections. Et aujourd'hui, certaines personnes à Beni et à Bouté me sont en train de m'appeler qu'il y a certaines contrées là où on est en train de voter jusqu'à maintenant. Ça, ce ne sont pas des élections. Kadima ne doit pas faire quelque chose comme si c'était lui la loi électorale. La loi électorale dans son article 59 stipule que les élections se déroulent de 7h à 17h. Pourquoi déroger à cette règle-là? Voilà la question que je me pose. Voilà pourquoi les jeunes de Goma aujourd'hui ont voulu manifester. Les jeunes n'ont pas voulu que leur avenir soit volé par Tshisekedi. Ça, ce ne sont pas des élections, ce sont des élections à annuler. Les jeunes ont manifesté à 3 jours d'avant la publication de la CENI. Ne pensez-vous pas qu'ils sont allés trop vite en besogne? Non, parce que la CENI nous a tous montré la tendance. La CENI nous a tous montré que c'est Tshisekedi qui va bel et bien être proclamé. Lorsque Tshisekedi a 120%, vous voulez que la jeunesse attende à quoi, monsieur? Voilà pourquoi la jeunesse s'est dit, nous n'allons pas attendre. La jeunesse ne va pas attendre que les résultats soient proclamés, parce que la jeunesse connaît que c'est Tshisekedi qui va bel et bien être proclamé. Et qu'est-ce que vous craignez si Tshisekedi gagne encore les élections? Si Tshisekedi gagne les élections, nous allons nous prendre en charge. 5 ans, la jeunesse a été oubliée. 5 ans, le social bafoué, le chômage, les taux de dollars. Nous n'allons pas accepter cela. Voilà pourquoi nous allons nous prendre en charge. S'il va marcher sur notre sang, c'est le moment qu'il le sache.
que la population de Goma ne veut pas de ces élections. La population de Goma veut des élections crédibles, transparentes, apaisées. Et si on annulait ces élections, vous voudriez que le pays soit géré dans la période transitoire par Tshisekedi de lui-même ou carrément par quelqu'un d'autre? Non, Tshisekedi a manifesté ses limites, a montré ses limites. Nous allons chercher quelqu'un d'autre qui va amener notre pays dans cette période de transition et organiser des élections, des bonnes élections, sans Tshisekedi, bien sûr. Si la population, les manifestations n'ont pas gain de cause, qu'est-ce que vous ferez? Les manifestations auront toujours gain de cause, parce que c'est la voix du peuple. Qui dit la voix du peuple dit la voix de Dieu, ce que les communs des mortels disent. C'est-à-dire les manifestants vont réussir, les manifestations vont réussir. Ça, c'est une assurance. La première expérience des élections de Congolais de la diaspora, mais qui aussi sont en train de contester ces élections. Comment vous trouvez? Est-ce qu'ils ont été manipulés ou carrément ils ont compris que les Congolais de l'intérieur vont encore une fois souffrir? La diaspora a vite senti que c'était des élections qui ont déjà été faites avant. Les machines sont venues avec des résultats. Les résultats ont été fomentés par les laboratoires de la CENI. Et ce sont des résultats qui existaient déjà. Donc c'était une formalité que nous avons faite. Et ça n'a pas de sens. Voilà pourquoi nous devons annuler justement ces élections et aller de l'avant. Ça, tu sais qu'il dit, bien sûr. Pendant ce temps, il y a certains rumeurs qui disaient qu'il y a un des candidats présidents à la personne de Moïse Katumbi qui aurait travaillé avec une équipe russe pour triquer ces élections. Et pensez-vous que c'était fondé cette réflexion? Non, c'était juste un alibi. Ils veulent cacher leur manigances, leur vol. C'est eux qui étaient au pouvoir. C'est eux qui ont la manœuvre. Est-ce qu'un opposant peut triquer les élections? Ça, c'est juste tromper l'opinion. Qu'est-ce que vous avez comme dernier message à la population? Le dernier message à la population de Goma, c'est de se prendre en charge. Parce que l'avenir, ces pays nous appartiennent tous. Ne laissons pas ces pays entre les mains de 20 personnes, de 40 personnes. Non. Nous en avons assez avec cette souffrance. Nous devons nous libérer. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Merci.